Salut! Alors aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo comment est-ce que j'ai procédé pour construire mon établi de travail. Donc là, on est dans un endroit un petit peu particulier qui est le nouvel atelier de bricole, de travaux, de vidéos YouTube, d'expériences, de tests, de mesures de travail de Jérémy Rénov. Voilà, je me suis juste filmé en construisant mon établi et puis bah, si ça peut en inspirer certains, et bien voilà. Et bah c'est parti. Allez, action! Quelques éclairages et puis on aura déjà quelque chose d'opérationnel. On a une porte qui ferme à clé en métal. Voilà. Déjà, j'ai fait un petit peu d'électricité ici. Là, on voit déjà beaucoup mieux. J'ai acheté des bastings de 6 mètres qui étaient dans la neige. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout matériau de construction, lorsqu'il est froid, se rétracte et lorsqu'il est chaud, se dilate. J'ai coupé mes bastings sur place avec pile poil la petite marge dont j'avais besoin pour pouvoir les faire rentrer. Sauf que le dernier, je l'ai rentré dans les caves. Et puis, entre hier et aujourd'hui, en fait, bah, il s'est un peu réchauffé et donc il s'est un peu dilaté, ce qui fait qu'il ne rentrait plus aussi bien que ce qu'il aurait dû. Petite astuce. Là, une planche, un tasseau, une poutre, un madrier, ça a un fil. C'est-à-dire qu'en fait, un bout de bois, il n'est jamais droit. Il est toujours un petit peu courbé dans un sens ou dans un autre, et c'est ce qu'on appelle le fil. Donc pour repérer le fil sur un bout de bois,
Alors, je ne vais pas le montrer sur un madrier parce que ça fait 45 kilos, c'est un remuable. Est-ce que j'ai pas un petit bout de bois qui traîne là? Ouais. Bon, c'est peint, mais c'est pas grave. Alors, pour repérer le fil, il y a une petite technique. Il faut prendre son œil directeur. Bah, comme on a une main droite qu'on utilise plus, si on est droitier, bah, on a aussi un œil directeur. Donc, l'œil directeur, en fait, il faut donc, prendre son doigt, repérer un coin avec les deux yeux ouverts. On ferme un œil, on a le doigt qui bouge, et puis quand on ferme l'autre œil, et ben on a le doigt qui reste bien dans le coin. Et ben l'œil avec lequel le doigt reste bien dans le coin, c'est notre œil directeur. Donc ben moi en l'occurrence c'est l'œil gauche. Et droitier œil gauche pour jouer au billard ou faire du ball trap, c'est pas les choses les plus évidentes. Bon bref. Donc un tasseau comme ça, il a un fil, madrier aussi. Et donc ce fil, faut le repérer. Donc du coup, ben, on met son œil directeur. Et puis ben là, on peut voir que le fil il est par là. Si je le montre à la caméra, alors là comme ça, voilà, là on peut voir la courbure comme ça qui va, hop. Et bien c'est exactement pareil pour les madriers, et si jamais on pose des poutres, machin, qu'on fait un plancher, peu importe, et bien c'est toujours important d'avoir cette courbure vers le haut. Alors là pour mon madrier, c'est très léger, mais il est courbé légèrement comme ça. Donc cette partie là, ça va être le dessus de mon établi, et ça va être le dessous. Voilà. Alors maintenant, on a ces bastings qui sont posés, mais on peut voir par exemple que celui-là, eh ben, il est plus haut que les autres. C'est simplement la même histoire de fil dont j'ai parlé avant. Eh ben, lui, il a un fil un petit peu plus prononcé que les autres. Voilà. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au milieu, bah, moi, je vais mettre un renfort, et puis bah, ça sera vissé dans ce renfort de manière à corriger ce fil, voilà, le fait qu'il y ait un petit décalage. Voilà. Et ensuite, concrètement, sur la partie en dessous, là ici, je vais mettre une jambe au milieu pour maintenir. Au-dessus de cette jambe, j'aurai l'étau. Et puis, à gauche de cette jambe, en fait, là, je vais faire des étagères avec rangement. Et là, il n'y en aura pas, ce qui fait que je pourrais venir avec une chaise et puis m'asseoir, mettre mes jambes en dessous. Outil magique, le laser, ça sert pour absolument tout. Hop, autre ligne, bim, voilà.
Comme ça, ouais, pourquoi pas ça. Allez, on peut essayer de le mettre là en attendant. Aïe, voilà, ça masque un peu la misère. Ouais, bon, on peut peut-être partir sur un truc comme ça en attendant. Ça peut paraître un petit peu à l'arrache, bah c'est le cas d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est que actuellement, je ne sais pas encore comment je vais utiliser mon établissement. Bon, mais dans l'idée, on va partir là-dessus. Et là, concrètement, bah, maintenant, on a quelque chose qui est exploitable et sur lequel on peut bosser, même s'il reste encore des choses à faire. Et puis également, bah, j'en profite pour faire un petit point. Bah, vous avez peut-être remarqué que sur la chaîne, il y avait moins de publications ces derniers temps. Oui, et bien en fait, c'est parce que ça fait maintenant un petit moment que je suis redevenu salarié et que j'ai un travail. Et du coup, bah, pour produire des vidéos, c'est... Disons que ça ne facilite pas les choses, bah avoir des semaines de 40 heures et en plus de ça retrouver du temps pour faire des vidéos et puis bricoler, bon, ça facilite pas les choses. Là au moins il y aura un endroit, il suffit de poser la caméra, allumer la lumière et bim, on peut sortir les outils et commencer à faire une vidéo, présenter quelque chose tout de suite. Donc ça c'est pareil, ça apportera plus de facilité à produire les vidéos. Là au milieu, donc là j'ai construit un grand établi comme ça, mais là au milieu, là où on a le poteau là qui soutient, je vais certainement fabriquer une sorte de petite, un petit îlot central sur roulette. Et du coup ça fait que lorsque je ferai les vidéos, bon bah, j'aurai un endroit de travail où je peux bosser ici, faire éventuellement des petits dessins sur le tableau, et puis là j'aurai un îlot central où je peux présenter devant moi, face à vous, face à la caméra. Les choses, bon bah ça va être encore à construire, éventuellement une petite caméra au plafond pour filmer juste mes mains lorsqu'il y a besoin de faire des gros plans avec des spots d'éclairage, c'est en cours, c'est en réflexion, pour le moment j'aménage des choses, c'est certainement pas un aménagement définitif dans le sens où bah, j'ai jamais eu d'atelier avant, je ne sais pas encore quels sont mes besoins précis. Et par rapport à ça, eh bien, c'est en ayant quelque chose comme ça qui me semble fonctionnel à l'heure actuelle, en me disant tiens ça va pas, ça serait mieux comme ci, comme ça, que je pourrais améliorer au fur et à mesure ceci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager la vidéo. Et puis bah, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao !